Alors, le meilleur marché, c'est Grand Frais. Voilà. Ah non, mais nous avons des produits frais. Ah, pour les gens qui vont me demander où je lève ça. Je lève ça une longue jupe avec mes baskets. Je lève ça. Ah, top. Hein, on voit pas. Tu aussi pour les grands frais. Bah ouais, bien sûr. Viens voir. On voit pas. Et j'ai une petite veste de jean. Et c'est frais. Et ça, c'est très très important pour pas briser la chaîne de froid. Parce qu'on va acheter des choses très fraîches. Tu tires ou c'est maman qui tire? Allez, un petit peu de responsabilité, vous le dites. Allez, tire. Tu tires. Ça, pas maman. Avance. Les huîtres, les moules. C'est une astuce pour rajouter. On prend surtout les sèches. C'est du thon frais. Je pensais que c'était de l'espadon. On en a encore du thon. Je vais en profiter, je vais prendre des moules aussi. Ça dit des moules? Ouais. Et ça dit du thon? Pardon? Je crois que j'ai travaillé en taxi. Tu travailles quoi? Attends. Je crois que j'ai travaillé en taxi. On ouvre d'abord. Oui. Oh, comment faire? Tu aides maman, s'il te plaît? Ouais. Tu m'ouvres le sac bleu, s'il te plaît? On le referme, comme ça, ça reste très froid. Les huîtres. Attends. On attend mieux. C'est toujours 12. Ok. De l'eau. Maman, des amandes. Bah ouais. Tu veux du tourteau? T'as pas aimé la dernière fois? Tu le veux? Oui. Tu veux réessayer? C'est quoi? Ça là, le. Ça, ce sont des couteaux. La plage. Bah oui, c'est ce qu'on a vu. C'est ce que je t'ai montré la dernière fois aussi à la plage. Absolument, on se le regarde. Pourquoi on n'en a pas mangé? Pourquoi on n'en a pas mangé alors? Non, j'allais pas les ramasser à la plage. Enfin, voilà, ça, on trouve ça aussi. Je le faisais quand j'étais enfant, mais la dernière fois, quand on était en vacances, non, enfin, en plus, tu fais quoi avec deux ou trois qu'on ramasse à la plage? La dernière fois, on en a trouvé deux ou trois seulement. Bah, tu vois? On pouvait les manger. Deux ou trois, ça l'est? C'est comme pour les moules, on en a trouvé 5 à la plage. Et tu fais quoi avec? Des moules. Pas de la sole. Non, c'est pas de la sole, c'est le cornet. Et mince. De la dorade, j'en ai. Les bizarres, les vraiment bizarres. L'aliment de sol. Que les, hein, attention. Que les, parce que nous avons. Je vais dire, c'est une mesquine. Hein? Ça, c'est mon point faible. Le saumon, c'est mon point faible. Toi, c'est quoi ton point faible? Ce sont les crevettes. C'est ce que tu aimes le plus? Tu fais quoi avec ton t-shirt? Explique-moi.
Ta réponse, tu fais quoi avec ton t-shirt comme ça? Tiens, les espadons. Regarde. Pavé de thon. Pourquoi pas? Tiens, on prend des espadons. C'est du saumon. Ça, c'est riche en oméga 3. C'est très riche. Et surtout, c'est frais. Si c'est possible, je les ramène, enfin, sauvage, et non pas à l'élevage. Attention, tu m'ouvres le sac, s'il te plaît? Tu ranges. Hop, attention. Là aussi, du poisson, ratin, l'eau et tout. Ouais, mais c'est du chorizo à l'intérieur. Hein. C'est du cochon. Voilà, moi je préfère les poissons. T'es un aline de oui, on a les épices, on a un chéri. Tu viens en fils? Tu fais quoi? C'est pas une voiture. Ouais, tu me suis. Je suis n'importe quoi. Oui. On a l'embarras du choix. On a vraiment l'embarras du choix. Tiens les falafels. C'est libanais. Puis après même les samoussa et tout. Les samoussa, enfin que l'on a cru chez ce mérite. Ce sont des samoussa autour. Le body weight. Voilà, le body weight. Je tire. C'est là où tu vas trouver la soupe de poisson et compagnie. Viens voir, on va faire un tour au niveau des olives. Là, tout ça, ce sont des jus bio, des jus de fruits, enfin, comment vous dire. Attention, ce sont des jus. Bio flouade en vert. Ça sent une colada. Une colada. Poisson pour mojito. Après, je sais pas si c'est alcoolisé ou pas. C'est que le fruit, et puis tu le mélanges avec ce que tu veux. Moi, je mélange avec de l'eau pétillante. Mais Huma, normalement, il le mélange à la boisson alcoolisée. C'est du rhum. Voilà. Mais normalement, mojito, à la base, ouais, c'est vrai. Ouais, citron et menthe. Virgin mojito, donc mélange alcoolisé. Ou à la base, c'est une boisson, c'est un cocktail alcoolisé qui met pour la pina colada et compagnie. Allez, c'est à base de jus d'ananas et de lait de coco. Enfin, il y a même des... Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais pas pousser. C'est maman qui pousse. À ta penade. On a de la taponnage. Ce sont des anchois. On retourne les olives noires et puis on mixe le tout. Moi j'adore les olives, mais même je les olives noires. Parce que les olives noires, elles sont pour un flacide. Viens voir, on va voir les fruits secs aussi. Je prends celui-là. Eh bien, tiens, Samy. Et déjà là, tu l'as déjà préparé? Non. Je pense que non. Je crois que oui. C'est en bonbon. Mais. Ah, c'est en bonbon. Il y a de la gélatine animale dedans. Ok. Donc, non. Ce sont des bonbons à la base.
Ok, en forme de burger. Oui, mais à l'intérieur, mon fils, il y a de la gélatine animale. Ce sont des fruits séchés. Hein. Ce sont des fraises. J'ai l'habitude d'acheter gingembre séché. Puis papaye, kiwi, mangue, melon, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est chaud. D'accord. Sim. Ça, c'est magnifique, ce magasin-là. Fiandan. J'adore. J'ai l'eau plusieurs fois. Bien sûr, je vous épargne. Hein, j'adore. Non, on marche, on ne saute pas. On marche, on ne saute pas. C'est pas moi. C'est quoi? Ah bon? Attends, j'ai besoin de filet. Soit filet de saumon, soit filet de truite. Ce sont des plats préparés, cuisinés, préparés, des feuilletés. Voilà. T'as qu'à mettre la paille là. T'as qu'à mettre au four. Parce que la scooter, je ne les tape pas le temps et tout. Donc voilà, t'as tout fait prêt. Le fameux poulpe. Tu sais qu'on a encore la moitié du poulpe au congélateur ? Quoi ? Tu sais ? On a sa moitié encore au congélateur. Ça, c'est pas mal aussi. Bouche farcie, c'est pas mal. Avec du riz. Bien sûr. Hein ? Ni crevette, je sais pas. Là, sincèrement, je sais pas. Non, ça y est, de bien, Hamadou. La crevette, elle a pas cette taille là. T'as juste venu. Oui. Je vais les sortir comme ça. C'est quoi ce bruit? C'est quoi? Ça doit être la machine pour faire des aliments. Tu veux goûter pastèque là-bas? Tu veux goûter pastèque? Il y a des cure-dents et des morceaux de pastèque si tu veux. Attention, tu prends le cure-dent là-bas et tu prends un petit bout de pastèque. Et tu me rejoins. Tu me regardes. Les pêches. Qu'est-ce que je me modèle? Les bananes. Ben. T'en as pris? Oui? Bien sûr. Tout ce qui est semoule. Pois chiche. On peut en prendre combien? Un morceau, elle dit. Hein? Un morceau, oui. T'en as pris combien? J'ai pris un et le plus gros. Oui. Maman, j'ai pris un et le plus gros. D'accord. On prend papaye? Oui, t'as dit quoi? J'ai pris un et le plus gros. Le plus gros, ça, t'as pris. Attends.